Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière à partir de 5h30. Et en ce mardi, nous lisons le texte de 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 29, qui dit ceci. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est la prière d'un père. La prière d'un père. Vous voyez ici, c'est la prière du roi David qui prie, qui rend grâce à Dieu pour sa maison. David avait l'intention de construire une maison, un temple pour Dieu. Et Dieu lui dira, par le canal du prophète, que ce n'est pas toi, David, qui auras construit cette maison, mais c'est ta postérité. C'est ton fils qui régnera sur le trône après toi. J'affermirai son règne. Et Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Alors, David va s'incliner devant la maison de Dieu, devant la face de Dieu pour prier. Et dans sa prière, il dit à Dieu d'accomplir les promesses qu'il a eu à faire pour sa famille. Et David ajoute à la fin de sa prière, « Veuille bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours. » Oui, voici en effet la véritable prière d'un père. Le père, il prie pour sa postérité. Il prie pour l'avenir de sa famille. Il prie pour le futur de sa famille. Nous sommes souvent des pères, des mères, des responsables, des chefs qui ne pensent pas à demain. Nous prions seulement pour ce que nous aurons aujourd'hui. Nous prions seulement pour ce que nous aurons de notre vivant. Mais nous ne prions pas pour ce que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, notre postérité aura après notre mort. Le véritable père, c'est celui qui bâtit, celui qui construit pour sa postérité. C'est celui qui garde un héritage pour ses enfants, pour les enfants de ses enfants. Un père, il prie pour que sa postérité dure à toujours. Il prie pour que ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa descendance soit dans la face de Dieu. Un véritable père, il prie enfin que ses enfants subsistent. Bien-aimé, quel est le type de père que tu es? Quel est le type de mère que tu es? Quel est le type de responsable que tu es? Tu travailles, tu es dans une entreprise. Est-ce que tu mets du temps pour prier pour tes enfants? Afin que tes enfants suivent les bonnes traces que tu leur as montrées. En tant qu'une mère, qu'est-ce que tu mets de côté pour que, à ta mort, ta famille subsiste? Il faut qu'après ta mort, on parle en bien de ta famille. Il faut qu'on parle en bien de tes enfants. Il ne faudrait pas que tout soit disloqué. Prie pour le lendemain de ta famille. Prie pour le futur de ta famille. Prie, mon frère, pour que ta postérité subsiste. Ma prière pour toi est que le nom de ta famille ne s'efface pas après ta mort. David n'a pas eu son nom être effacé après sa mort. David a prié pour que sa postérité dure toujours. Et vous avez vu le fruit. Jésus même est un descendant de David. Si vous priez ainsi, vos enfants vont marcher selon la crainte de Dieu. Les arrière-petits-enfants vont marcher selon la crainte de Dieu. Prions ainsi. Prions, prions, prions pour que notre postérité dure à toujours. Prions pour que toi qui es responsable dans une entreprise, ton entreprise subsiste à toujours après ta mort. Toi qui es une mère, qui encadre les jeunes, les enfants, prie pour qu'après toi, l'œuvre que tu es en train de bâtir puisse subsister à toujours. Que Dieu t'y aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Tu nous permets ce matin de voir cette prière d'un père, David, qui a prié pour que sa postérité subsiste à toujours, pour que sa descendance puisse être dans ta crainte, marcher selon tes voies, tes préceptes. Seigneur, nous voulons être ce type de père qui bâtissent pour les enfants, qui construisent pour que les enfants puissent en jouir. Éternel, il ne faudrait pas que, après nous, il y ait une déchéance, après nous, il y ait une désillusion, après nous, que nos enfants, nos arrière-petits-enfants vivent dans la débauche. Seigneur, nous t'en supplions, afin que nous soyons de vrais pères, nous soyons de vraies mères, des personnes qui conduisent leur descendance, Seigneur, sur le droit chemin. Éternel, nous prions pour la,
pour la vie de chacun de nos enfants, pour la vie des enfants de nos enfants, afin que tous ceux qui sortiront de notre sein puissent subsister, que l'ennemi ne puisse pas les ravir de ta main, que la pauvreté ne puisse pas les ravir, que la maladie ne puisse pas frapper. Oui, la prière d'un père, la prière d'une mère, c'est que sa famille subsiste, c'est que sa maison subsiste. Oui, Seigneur, nous prions que nos maisons subsistent. Au moment où le péché frappe la jeunesse, où l'ennemi frappe la jeunesse, Seigneur, nous ne voulons pas bâtir et qu'après nous, tout s'écroule. Nous voulons bâtir. Après nous, il faut que cela reste au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de nos familles. Souviens-toi de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te confions cette journée de mardi. Bénis notre journée, nous t'en supplions. Bénis notre journée, nous t'en supplions. Que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Nous sortirons, nous reviendrons en paix et en bonne santé au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne de nos tentes. Que les tentations, nous puissions les vaincre. Que les accidents, nous puissions les surmonter, les surpasser. Bénis-nous, donne-nous d'avancer avec toi à pas de géant au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que notre journée de mardi est bénie, tu nous gardes au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons dès demain mercredi à partir de 5h30. N'oubliez pas de partager, n'est-ce pas, ces temps de prière dans vos différents groupes. Shalom et à demain.